C'est énorme, ce match, Villeneuve qui prend le match 1. Oui. Comment t'as vécu ce match, c'était incroyable. Ah bah là on était là-bas ouais, avec le centre. C'était fou, que des émotions, des renversements de situation. C'était trop bien, trop bien. Et rendez-vous samedi, mais pour nous demain aussi. Hein. Et pour nous demain, finale contre Lyon, à Lyon. On y va, on est motivé, on va essayer de faire comme les pros. Merci Charlotte, merci. Incroyable ce match. Comment est-ce que t'as vécu ça, toi, Villeneuve, qui prend le match 1 ici à Lyon? À commencer, c'était un enfer à commenter parce que c'était pendant une mi-temps et demi, c'est les ascenseurs, quoi. Les Villeneuve d'Ascq étaient en retard de 10, qui revient de 10, qui reprend l'avantage. Et en fait, le tournant, c'est le quatrième. Quatrième quart-temps, l'Asvel qui met 4 points. Et ça, Villeneuve d'Ascq à la maison avec le public du Palatium, ça a fini par craquer pour Lyon. Ouais. Est-ce que Villeneuve peut le faire après un match 1 comme ça? Le soutien de tout ce public-là, est-ce que Villeneuve peut le faire sur le match 2? Ça sera le match le plus difficile de la saison, ça sera à l'Astrobal qui est une salle très compliquée. On l'a vu, Bourges, ça avait beau être un super collectif. C'était très difficile de gagner à Lyon avec le public de l'Astrobal, mais rien n'est impossible. Hein. Je pense que quand même l'Asvel va essayer d'arracher quand même le match 3. Match à suivre sur Sport en France samedi. C'est quand même un régal d'être dans les salles comme ça, de pouvoir commenter ces matchs. Dans une ambiance comme ça, il y a des chenilles, des supporters, c'est incroyable. Arrête, j'ai des flashbacks du Covid, je veux pas y repenser. Là voilà, c'est ce qu'on veut, c'est le basket français qui veut ça. Malheureusement, on n'ira pas sur une série en meilleur des 5, mais au meilleur des 3. Ça met un enjeu, ça met du piment. Et bah les supporters y suivent. Merci Lucas, on se voit samedi. Bonne récup, merci. Rachid, match 1 pour le SBVA. Vous l'espériez de vos vœux, c'est fait maintenant. Villeneuve va jouer le titre de champion de France à Lyon samedi. Ah, en effet, je pense que maintenant la pression elle est sur les épaules de l'Asvel. On n'a peut-être pas mis les meilleurs ingrédients basketement parlant, mais par contre on a mis beaucoup de cœur. Je suis fier de ce que les filles ont fait pour pouvoir renverser ce match quand on était à moins 10. Franchement, bravo aux filles. Maintenant, il va falloir qu'on se concentre sur ce match 2 parce que l'Asvel va certainement préparer quelque chose d'intéressant aussi. Quel quatrième carton, incroyable, vous étiez mené à moins 10 même à un moment donné et pour renverser la situation. Ah, il fallait qu'on enchaîne le stop défensif, c'était notre seul moyen de pouvoir faire basculer ce match-là. J'ai misé sur un 5 défensif, ça nous a procuré les stops nécessaires. Il y a les paniers derrière qui ont fait que voilà, on a su gagner ce match-là. Johan, après ce match, quatrième carton difficile, vous n'avez pas résisté à ce qu'a produit Villeneuve sur le quatrième quart, pourtant vous meniez, vous aviez l'avantage quasiment tout le long de la partie. Je pense que c'est nous qui n'avons plus produit ce qu'on aurait dû produire. On score très peu dans le dernier carton et si on avait réussi à avoir un petit peu plus d'efficacité offensive, bah on n'en serait pas là je pense. Vous attendiez à ce que Villeneuve finisse aussi fort ce match? En fait on s'attend à ce que Villeneuve joue 40 minutes intenses à chaque fois. Quoi. Maintenant il n'y a plus le choix, il faut reprendre le match 2. Bon, on l'a déjà fait contre Bourges. Maintenant, si Villeneuve est en finale, c'est qu'ils sont peut-être encore plus dangereux que Bourges cette année. Donc ça va être encore plus difficile, mais on l'a déjà fait chez nous à l'Astrobal. On va essayer de le refaire, puis il faudra le refaire une deuxième fois au match 3 si jamais on arrive à décrocher un match 3. Merci Johan. Merci. Allez, on est avec Hugo. Hugo, quel match incroyable. Au-delà du plan basket, au-delà de techniquement, c'est quand même un truc de fou ce qui se passe. Villeneuve prend le match 1 et met la pression vraiment sur Lyon. C'est incroyable, incroyable. Peut-être dans le basket, on n'a pas été à notre meilleur niveau, on le sait, et on a quand même réussi à le gagner. Et je pense que nous, on a fait un bon match, mais les supporters ont fait un super match. Et je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on remporte ce match, et merci à eux. Et il faudra être présent aussi samedi pour terminer le boulot et être champion de France. Ouais, je pense que les supporters vont s'organiser. Avec un match comme ça, évidemment, ça donne envie d'aller à Lyon sur un plan basket. Le quatrième quart-temps a été époustouflant. Lyon menait de plus 10 à un moment donné. Mais Villeneuve n'a pas lâché. On pensait que physiquement ça aurait pu être compliqué, pas du tout. Ouais, bah là ça change de format aller-retour. On sait que il faut juste gagner le match pour être champion de France. Donc faut tout donner jusqu'à la fin et juste gagner le match en fait. Que ce soit de 1, de 20 points, peu importe, faut juste le gagner. Est-ce que t'as pu changer vite fait avec les filles là ou voir un peu c'est quoi le. C'est l'euphorie, l'état d'esprit, on est directement dans le match 2. On est content, on a enfin battu l'Asvel, mais on est tout de suite concentré sur le deuxième match. C'est important, il nous en reste un. C'est important de terminer le travail samedi et de pouvoir après relâcher la pression. Merci Hugo. Dis-moi quand même, dis-nous ce match de fou. Villeneuve prend le match 1. Mais on a tout vécu pendant ce match, on a tout vécu. C'est génial, c'est trop bien qu'elle le prenne. Maintenant le travail n'est pas fini et ça va être un gros match samedi là.
Malgré tout, c'est énorme. Caro aussi, elle a fait son match, mais l'équipe c'était dans le dur et dans le quatrième carton énorme. C'est ça, elles ont jamais lâché, tu sais, on a tout vécu. Elles étaient bien, ensuite elles ont eu des trous. Elles sont revenues, elles sont même passées. Voilà, on est presque à 10 points, là, il y a 8 points. C'est génial, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et une ambiance comme ça, c'est incroyable quand même. Ah bah oui, tout le monde rêve de jouer dans une ambiance comme ça, c'est génial, c'est trop cool. Merci Marion, on va prendre Caro dans quelques instants. Ah, quand ouais, ça va être compliqué, mais on va essayer parce que, évidemment. Évidemment, Caro qui enchaîne photos et signatures. Quel match, franchement, vous prenez le 1, tu me disais que c'était très important de prendre ce match 1, et maintenant vous mettez la pression sur Lyon. Ouais, c'est sûr, déjà c'est important de rompre cette série de défaites. Voilà, après, c'était le dernier match à domicile, quand tu vois l'ambiance, c'est un truc de ouf, donc. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment le prendre et on l'a fait ce soir. C'était difficile, il y a eu plusieurs runs des deux côtés. Donc après on est vraiment focus sur nous et que sur nous. Et voilà, plus qu'un. Notamment le dernier quart, incroyable parce que physiquement vous en avez remis une couche sur le dernier quart pour prendre l'avantage. L'intensité était vraiment très haute pendant tout le match. Donc franchement il fallait remettre et on l'a mis quand il fallait. Donc c'est important et... Voilà, plus qu'un. Pas nous, cette ambiance, on l'a déjà vécu samedi, mais là c'est quand même autre chose. Ouais, c'est un truc de ouf. Les gens sont fous ici, et dans le bon sens du terme, mais je peux pas la soirée, mais c'est incroyable ce soir, incroyable. Guillaume, ce match, cette ambiance, c'est une vraie expérience basket, toi qui prônes les expériences basket et cet esprit-là, on est en plein dedans là. Carrément. Je suis un peu sur le cul parce qu'à moins 10, j'y croyais plus. Elles ont retourné la situation, mais c'est un truc de fou, la salle elle a explosé, c'est des ambiances qu'on connaît, je vais pas dire que dans le Nord, mais c'est vraiment spécial quoi. J'ai vécu ça moi avec Gravelines, avec Saint-Quentin. Je retrouve à Villeneuve-d'Ascq des choses qui sont pour moi enfouies depuis une dizaine d'années. C'est dingue, c'est... Je souhaite à tout le monde de vivre un truc comme ça. Il faut venir voir le basket féminin, franchement c'est une autre expérience, c'est pas le physique du basket masculin. Mais je conseille vraiment à tout le monde de venir voir les matchs de basket féminin. Et un match comme celui de ce soir est une extraordinaire promotion pour ce basket féminin là, c'est fou. On a vu un niveau de jeu en première mi-temps qui pouvait être discutable, mais l'intensité et la beauté de cette deuxième mi-temps, elle est quand même magnifique. Ouais, voilà, le basket féminin, comme j'ai dit, c'est pas aussi physique que le basket masculin. Au final, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est vivre des émotions, c'est voir des paniers, c'est voir des filles qui se battent. Ce soir, on a eu tout ça. Voilà, féminin ou masculin, on s'en fout, on vient voir du basket. Et pour toi, pour finir, est-ce que les coéquipiers de Caro peuvent le faire ou pas? Il reste le match 2, un match à prendre sur les deux derniers matchs qui restent potentiels. Est-ce qu'elles peuvent le faire, les filles? Elles l'ont fait ce soir, donc je vois pas pourquoi elles ne pourraient pas le refaire. On sait qu'à Villeurbanne, ça sera compliqué. Maintenant, il y a une salle qui va les attendre dans une semaine si jamais elles perdent le deuxième match, que leur souhaite pas. Mais bon, voilà, si on est réaliste, elles reviendront pour un troisième match. Sur le troisième match, tout est possible. Myriam, bah, quel match? Vous prenez le match 1, c'est ce qu'il fallait pour donner beaucoup de piment à cette série, c'est quand même énorme. Oui, c'est ce qu'il fallait pour se mettre en confiance et pour la dernière à domicile, avoir une victoire, forcément, ça nous tenait au-delà du titre, évidemment, particulièrement à cœur, donc je suis fier qu'on ait pu remporter cette mission. À la fin du troisième quart, c'était loin de gagner, vous étiez en difficulté et vous faites un quatrième quart énorme. Oui, bah, ça prouve que dans le basket, rien n'est perdu d'avance et qu'il faut se tenir jusqu'au buzzer final. On sait que les matchs comme ça, ça se joue souvent à la volonté, au détail. Et faut savoir être décisif du début jusqu'à la fin. On parlait déjà de cette ambiance samedi, mais ouais, ça prend une autre dimension et vous serez sûrement beaucoup soutenu aussi samedi. C'est quand même énorme de jouer dans une ambiance comme ça. Évidemment, et je tiens à préciser, bah, je tiens à remercier sincèrement du fond du cœur tous les fans qui nous ont supportés toute la saison. On a eu une arène qui a été pleine quasiment à tous les matchs. Et ceux qui regardent aussi à travers les écrans, ceux qui nous envoient des messages de soutien, etc. C'est vraiment un climat particulier de se sentir aussi soutenu et je suis hyper reconnaissant pour ça. Merci Marianne, bonne soirée. Merci à toi. On est avec Lorenzo Tiroir-Sanson, joueur du LMB après cette victoire. Lorenzo, déjà j'imagine que tu es vu aussi en ami pour voir des potes, mais quel match. Franchement, incroyable cette victoire de Villeneuve qui met la pression sur Lyon. Non, franchement, très gros match de la part de Villeneuve, elles n'ont rien lâché du début à la fin. Franchement, magnifique match, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'était basket quoi, c'était beau à voir. Ouais, il y avait une vraie atmosphère en plus, ici au Palatium,
Est-ce que tu avais déjà vécu toi une atmosphère comme ça ici? À la finale de l'Eurocup contre l'ASVEL déjà, mais franchement là même en étant assis je transpirais alors que la dernière fois non. Donc je pense que ça devait crier un peu plus aujourd'hui. Et tu penses qu'elles sont capables de le faire ou pas? Il y a ce match de samedi à l'Astroval, est-ce qu'elles peuvent le faire? Bah elles l'ont déjà fait ici donc pourquoi pas là-bas. On va dire que le premier match c'est peut-être le plus dur. Là elles ont deux matchs pour en gagner un, on peut dire ça comme ça et je pense que ça peut le faire ouais. Toi perso, à J-2, c'est ça, dans deux jours, quart finale aller de Pro B, comment tu te sens? Vous sentez bien ce match, c'est face à Orléans, on le rappelle. C'est pareil, vous aussi, grosse échéance pour vous, les playoffs s'enchaînent là. Ouais, grosse échéance, surtout que on sort d'une victoire à domicile contre Boulazac qui était juste devant nous. Donc en espérant qu'on continue comme ça sur cette lancée et aller jusqu'au bout quoi. Merci Lorenzo. De rien.